polata deina kuden anthropou deinoteron pelei. Tuto kai puliu peran pontu, kei merioi notoi korei. Peribrukioi sin peron oidmasin. Alors quand Amplitude m'a demandé de travailler sur Humankind, j'étais vraiment très enthousiasmé parce que voilà, faire la musique pour 60 cultures différentes, de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne, c'était vraiment un très très grand challenge. Dans Humankind, on a découpé le jeu en groupes culturels, c'est-à-dire que c'était tellement gros comme projet qu'on a dû rassembler des civilisations en groupes culturels, et au sein de ce groupe culturel, on a un musicien soliste qui va jouer d'un instrument particulier pour ce groupe culturel. On va avoir en tout, par exemple, quelque chose comme 8 heures de musique traditionnelle. Donc ce sont des airs connus ou ce sont des improvisations avec des instruments solistes et des petits groupes de musiciens. Donc plus on va avancer dans les airs, plus on va avoir, on va dire, des groupes de musique qui se forment à partir des instruments solistes. J'ai travaillé avec 10 musiciens solistes qui sont des experts de la musique traditionnelle. Au niveau des instruments, donc on a des flûtes précolombiennes qui sont incroyables, qui sont jouées par un grand maître qui s'appelle Pierre Ramon. On a le guzheng, qui est la harpe chinoise, qui est jouée par Sisi Zhu. On a un spécialiste de l'Europe médiévale qui joue de nombreux instruments à vent, de la vielle à roue. Pour la Renaissance, on a un trio à cordes baroque magnifique, de la viole de gambe, du violon baroque. Pour l'Antiquité, j'ai joué des sitars grecs, donc ce sont des reconstitutions de sitars antiques qu'un luthier grec a reconstitué selon les images qu'il y avait sur des vases, par exemple, sur des bas-reliefs. Pour le Moyen-Orient, on a du oud, on a plein d'instruments différents. En plus de ces musiques improvisées et traditionnelles, j'ai composé à peu près 90 minutes de musique orchestrale où là j'ai pu donner ma patte, hein, voilà, mon idée musicale pour le jeu. Et donc ces musiques, on va les voir apparaître dès l'Antiquité, mais assez peu souvent, et elles vont émerger de plus en plus souvent jusqu'à être vraiment prépondérantes sur les dernières aires du jeu. Le travail avec l'orchestre, ça a été d'abord, on a fait des choix aussi de direction musicale. On a une idée un petit peu pastorale, c'est-à-dire on a évoqué un peu la nature avec des instruments à vent, des bois, pour évoquer voilà, le terrain, cette dimension d'exploration. Et également, dans cet orchestre, on y a adjoint des instruments traditionnels, des instruments antiques, qu'on a pu entendre aussi dans les différents groupes culturels. Et ils vont venir jouer avec l'orchestre en tant qu'instrument soliste. Donc les principaux instruments solistes sont la viole de gambe, qui est l'ancêtre du violoncelle, du violon qu'on retrouve à l'époque baroque. Le doudouk, qui est la flûte arménienne, qui a une sonorité vraiment très 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 belle, très évocatrice. On a le guzheng chinois aussi, qui fait une apparition. Et un élément très important de cette musique orchestrale, c'est qu'il y a des chœurs, comme toujours hein, dans les musiques que je compose pour Amplitude. Et cette fois-ci, on a des chœurs qui chantent des textes qui sont en grec ancien et en latin. Donc j'ai travaillé avec une spécialiste qui connaît vraiment la littérature antique. Et donc on a des textes de Sophocle, d'Ovide, et qui racontent certaines mélopées hein, de cette époque-là et qu'on a adapté dans cette musique orchestrale. Donc pour terminer cet épisode, je vous propose d'écouter le thème principal de Humankind qui vient juste d'être fini de masteriser. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et que vous allez prendre du plaisir à l'écouter.